Bonjour les amis, j'ai un quart d'heure, 20 minutes de... Alors, attendez que je me trompe pas de pioche. Vous voyez, celle-ci, je suis à 1146, c'est du raccommodage, hein, c'est pour ça que je vais vous montrer comment elle va se réparer vite. Alors, attention, on est à 22,2. Oh, ça fait 20 minutes à peu près. Voilà, j'ai pas un filage, mais comme ils sont bien groupés, hein. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Hop, faut se placer le petit curseur sur sa pioche raccommodage, et regardez, ça va se refaire toute seule. Alors c'est ça, c'est pas le label XP, ça. Faut surtout bien... Voilà, pioche réparée. Hop, il y en a un qui doit être coincé quelque part, j'entends. Allez, on était à combien, à 22. Et allez, en 20 minutes, il n'y a pas tout à fait 20 minutes, mais en 20 minutes, c'est ce que ça fait, quoi. Regardez, l'XP me suit. Voilà. Oh, le petit... Oh, ça fait... C'est rare qu'on en voit avec l'armure, non? Alors, si tu drops une armure, je vais voir la taille. Et ça dégringole. Voilà, voilà. Hop, on va remettre ça dedans. Bien. Ça, c'était pour vous montrer que... tout ça, va falloir que je mette un... Pour désenchanter, puis récupérer l'XP aussi. Tout ça, pour l'instant, on va le laisser là, tout ça. Ah, il y a des chouettes trucs. Bref. Ah oui, épine, ça, c'est bien, ça. Hop, voilà, pour l'instant, vous voyez, ça arrive toujours, ça arrive toujours. Hop, ça, je vais prendre. Allez, allez, un peu d'XP encore. Et on se retrouve. Voilà. Les amis, c'était pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, de 22, on est passé à 28. Allez, 20 minutes, hein. On repasse par là ou on repasse par là. Allez. On se rejoint dans la salle des coffres. J'ai plein de surprises. Nous y sommes. Alors vous avez vu, ça vaut le coup l'XP. Hein. Oh, il est pas mal mon skin finalement, les petits bandes rouges. Là. Bravo Goku, t'as raison, il est pas mal mon skin. Voilà, au fond, j'ai mis mieux au fourneau et puis les fumoirs. Je les ai remplis à moitié de charbon. Faire ça, j'avais pas non plus... J'ai été miné un petit peu. Alors, par contre, avec la fortune 2, j'en ai récupéré 25. Ce qui est très bien, il m'en restait pas... Ah, ils sont restés en haut. Ils sont restés en haut. Donc, je vais me débarrasser un petit peu de ça, de ça, et on va tout de suite voir quelque chose, les amis. Alors, vous avez vu, j'ai retiré les planches. Bon, j'en ai plus assez, hein, mais j'ai mis des tonneaux. J'ai préparé des pancartes pour mes futurs abonnés, avec les couleurs que j'ai pour l'instant, donc vous avez deviné à quoi vont servir les couleurs, mais, tout le monde fait ça, hein, une petite salle des abonnés, voilà, c'est bien, tranquille, mais moi je vais corser un peu le truc. Dans cet épisode, je vais donner un mot de passe, où je vais faire une petite question, par exemple, je sais pas combien j'ai de moutons marrons quand je vais être passé devant, je vais poser la question juste à un moment dans la vidéo, combien il y avait de moutons rouges, ou combien il y avait de moutons marrons, ou alors le mot de passe c'est, admettons, citrouille, ou... Et les trois premiers qui vont me donner la réponse, ils auront... Donc le premier aura... les trois premiers auront une pancarte avec leur nom, et à chaque fois qu'il y aura une bonne réponse, je mettrai 3 pour le premier, 2 pour le deuxième, et 1 pour le troisième. Et ainsi de suite. Je sais pas si vous avez des questions, vous me les poserez. Parce que j'ai envie que ce soit, que ça fasse un peu une communauté, qu'on se connaisse tous en les abonnés, quoi. Vous connaissiez, vous, enfin, je sais pas, j'ai envie de créer ça, puis ça sort un peu de l'ordinaire. Et dès que le coffre a un lingot par case, ça peut aller vite, hein. 3, 3, 3, 3, suivant les réponses, hein. Et une fois ça... Alors là, après, c'est surprise. Il se passera quelque chose pour le gagnant de tous. Hein. Et le fait de faire les trois premiers, non pas, je vais retirer, parce qu'il y en a à l'avance pour le futur premier abonné. Et alors, je voulais mettre des diamants, mais ça ça va pas le faire. Je vais être un peu sec. Quand j'aurai fortune 3, pourquoi pas. Mais une fois qu'il y aura, par exemple, tel abonné qui est là, a rempli un... C'est pas un stack par case, hein, je vous rassure. Un lingot par case... Alors là, on va passer à un truc qui est encore une surprise, mais là, vraiment, assez... j'ai mes petites idées, ça va faire plaisir. Voilà. Donc voilà, admettons, celui qui a trouvé le mot de passe, hop, les trois premiers, hein, qui ont trouvé le mot de passe dans les commentaires, je me baserai à l'heure d'arrivée. Je prendrai toujours 2-3 minutes à chaque début de vidéo pour faire le point, ça va aller vite, hein, là, c'est parce que j'explique. Donc, il y aura, évidemment, au prochain épisode, il va y avoir 3 pancartes, alors avec les noms de, je ne sais pas encore, et leurs couleurs que j'ai demandé, donc voilà. Et puis,
ici, une fois que ce sera plein, il y aura le petit truc pour valider que c'est plein, mais on, après on passe à autre chose et vous verrez le premier. Alors évidemment, hein, d'ici là, je vais en faire plus. Hein, bon, on n'est pas à 2 millions non plus, hein, ça va aller. Voilà quoi. Mais c'est pour rendre le truc un peu plus ludique et puis qu'on partage autre chose quoi. Je voudrais revenir aussi à Robin qui m'a demandé pour faire des dons. Non. Je suis pas partisan de ça, je fais ça pour plaisir, pour partager avec vous, et puis c'est, j'adore ce jeu, et j'ai envie, bah voilà, quoi, juste c'est du partage. Après, si vraiment il y en a d'autres qui insistaient pour, on peut faire, on peut créer peut-être quelque chose, mais pour après, une assoce, ou, je sais pas, après, c'est vous qui trouvez l'idée, moi je ne veux pas, par les abonnés toucher de l'argent, pas par les abonnés, ça c'est clair. C'est niette. Donc voilà. Mais c'était gentil de le proposer, hein, Robin. Franchement, sympa. Mais gardez ça pour vous, vos proches, offre une fleur à ta maman ou à ta fiancée. Et voilà, ça m'en rendra bien plus heureux. Et voilà, ça, on a fait le tour. Ça a pris un peu plus que 3 minutes parce que c'est le début. Ceux qui n'ont pas compris, ils me posent des questions. Là, on va passer à la petite surprise. Tadam ! J'ai fait ma petite salle d'enchante. Bon, là, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous voyez, des demi-dalles, des murets, un peu d'andésite, roches, demi-dalles de roches, de pierres, pardon, pierres moussues, j'avais récupéré dans les... Ça, j'ai fabriqué, mais ceux-là, dans les donjons. Là, j'ai mis une paire de... Ah, bah, ça, hop, ça va là. Ça, c'est ce qu'on n'a pas enchanté, ça, c'est ce qui était pas terrible dans les derniers épisodes. J'ai mis une paire de gardiens de vigile pour surveiller le trésor. J'avais même mis, vous voyez, quelques coffres là. Là, oh, ça a descendu là. Voilà, pour désenchanter, pour refaire l'XP au cas où. La petite enclume, voilà. J'ai pas mis encore un là. J'ai pas mis de poisson parce que bon, il y en a encore un qui est mort en haut à mon avis. Bon, il despawn, je sais pas. Bref, voilà. Après, il y aura encore autre chose là. Ça sera sûrement la salle de potions. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est le petit chemin qui mène de là où on vient au spawn à zombies. C'est sympa? Non? Ça vous plaît? Pour éviter qu'il y ait du bois de partout, je trouve que c'était pas mal. Allez. Sympa? Allez, je fais un petit screen. Ça sera peut-être ma miniature. Pourquoi pas? Sur ce, les amis, on va passer aux choses sérieuses. Si surtout vous n'avez pas tout suivi, n'hésitez pas. Allez. Hop là, oulala, creepy, bah vas-y tiens, qu'est-ce que tu dis là avec le chat? Fais bien ce... Bah, il va pas venir. Ah non, c'est ch... J'ai rien dit. Bon, bref. On va passer la nuit tranquillou et on se retrouve aussitôt. Je vais me cacher. Tatin. Bon, avant toute chose, l'opsi. Combien qu'il va m'en falloir? Je vais me faire coffre du Nether, et on va enchanter une hache. Ça c'est pas vu, c'est ce que j'avais, je vais avoir... Ah, ça c'est bon, ça. Je les mettrai sur mes définitives. Il me faut, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me faut? Voilà. Il m'en faut deux comme ça, quoique normalement, un en procurant deux. Si je ne m'abuse, yes. Il me faut, ben voilà, c'est exactement ce que je veux. Tac, tac. Si je fais ça tout de suite, normalement, voilà. Ensuite, ben voilà. C'est là que ça se passe. Si je me souviens, un petit poil. Vache. On n'aura pas besoin d'être cassé à chaque fois. Je vais m'en mettre un ici. Pour l'instant, je vais là. J'aurais peut-être dû prévoir avant. Il n'y a rien là. Ah, bah, je vais peut-être me mettre là plutôt. Alors, tant pis. Allez, je sais. Il faut aller faire une hache. Voilà, j'en mets un là. Et ce qui fait que... on est pas mal. Ça va là. On va mettre là. Ensuite, ça, j'ai ce qu'il faut. Et ben voilà, on va se prendre 3 diams qui se trouvent dans la table d'enchant. Faut que je prenne mes repères maintenant. Faut que je prenne mes repères. Normalement, c'est là, voilà. Tac, on va prendre ça. Je sais, j'ai que 28, mais tant pis. Ah, c'est bien, là, c'est fonctionnel comme ça. Tac.
Et paf. Pif paf. Yo. Merde. Ensuite. Alors, est-ce que ça devient 30 au fait? Pif paf. Voilà. Ouf. Efficacité 2. Allez. Oui, bah c'est tout. Je leur ferai une, j'ai un peu de diams. Faut que je sois hyper riche, mais bon. Ben voilà, parce que là on va partir un petit peu en construction. Hop là. Hop. Un jour je vais remonter, il y aura un creepy là dans l'eau, il va me sauter à la trombinette. Là. Allez, c'est parti. Bien. Nous voici sur le terrain. Alors, comment on va procéder? Alors, normalement, j'ai amené tout ce qu'il nous faut. Sûrement pas tout, parce que j'ai dû en oublier pas mal. On va prendre ça, 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 le sapin. Alors, ça va être chêne et sapin. Je ferai bien ça. On attaquerait ça. Ça, ça va dégager après. Va falloir que je les tue à un moment. Qu'est-ce que je fais là? Paf. Yes. Là, je vais faire un tech. Tech, tech. 3. Ouais. Alors, voilà. Hop. Je vais... On va faire ça. Là. Tac. Là, je vais fermer. Là, ça va... Alors, il nous faut des escalibures. Voilà, on fait un petit peu ensemble. Après, je vais sûrement mettre en accéléré. Tac. Alors. J'aimerais bien... Voilà, après je vais régaliser ici, donc... Ici... Yes. Oh, pardon madame, vous voyez pourquoi j'ai fait une hache. C'était indispensable, je vais vite la bouffer. Et là par contre... je vais faire... Déjà... Voilà. Hop. Là. Faire sur 3, on continue comme ça. Là, ensuite je vais en remettre un qui va être aligné là. Tic, tic. Ok. Ensuite, là, ça va être notre entrée. Ici, ici, comme ça. Ok. Là, on va s'en faire la même. Voilà. 4 bleus. Pour faire. Voilà, ça, ça va être la base. La base de chez base. Alors... Presque. Ah ouais, je suis quelqu'un d'habile. Si je ne m'abuse, j'ai dû les prendre. Ok, voilà. Ça va être beaucoup plus simple, hein. Thank you.
amis, on a fait une ossature. Vous allez voir, j'ai encore des trucs à améliorer. Il faut que je fasse cuire un peu de sable, enfin, je fasse des vitres. Et puis, aménager un petit peu l'intérieur. Vous avez vu l'ossature. Je pense qu'on est pas mal. Un petit peu de place, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me déplaît pas. Vous avez, il faut voir une fois décoré. Là, il y a un petit truc qui me chiffonne, mais je sais pas encore quoi. Écoutez, nous verrons bien. Toujours est-il que, on va se quitter là-dessus. Les vaches, il faut vraiment que je les zigzague. Pas de pitié pour les croissants. Ouais. Les amis, j'espère que cet épisode vous a bien plu. C'était un petit peu laborieux, je trouve, pour cette construction. Je vous remercie de l'avoir suivi, cet épisode, et puis merci pour tous vos coms. Hein, n'oubliez pas, petit pouce bleu, comme d'hab, machin, tout ça. Ça me va droit au cœur. Je vous dis à bientôt, et je vous dis, je vous adore. Ciao, ciao.